Salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour le sixième épisode de la carrière suisse sur la map Belgique profonde V2. C'est parti! Donc, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, les amis, je suis en solo tout simplement parce que ça me tardait trop, voilà, je pouvais pas attendre d'avoir quelqu'un en multi avec moi pour terminer ce qu'on avait commencé. C'est vrai que quand je commence un truc, moi j'ai envie de le terminer. Donc voilà. Bon, on va prendre donc le cas, on va préparer l'endainer. On va se mettre à la suite de notre petite faneuse. Clac. Alors niveau proportion, ça va pas être parfait, hein, mais bon, on va essayer de quand même faire quelque chose de pas mal. Hop. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah oui, alors là, du coup, il me mélange tout. Oh là là. Attendez. Je vais essayer de régler 12. Clac. Alors, je vais quand même lancer. Hop, je remets l'affichage. Essayer de trouver un voisin. Ah. Alors est-ce que il capte pas le véhicule de devant ou est-ce que je suis mal placé? Ah ben voilà, c'est bon. Là, on va augmenter la distance. Je vais commencer, puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si les deux outils font la même taille. Mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même. J'ai réglé une assez grande distance. Ouais, bon, là, au moins, il risque pas de me rentrer dedans. Je ferai mes manœuvres tranquilles, ça, c'est sûr. Bon, je vais faire un tour comme ça, les amis. Et puis, on verra quand on repassera si... Mais qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Hop. Ouh là là. Faut pas que je vienne trop sur le côté. Parce que si le véhicule, l'autre véhicule est plus large que moi... Il risque d'avoir des problèmes. Alors au pire, c'est pas grave si je laisse des petits trucs, hein, mais je vais essayer de pas trop me coller au bord. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je m'y colle. Alors. Bon, pour l'instant, il s'en sort pas mal. On va voir si, si ça continue ou pas. Là, faut que j'évite en fait de faire des manœuvres pour le véhicule de derrière. Donc, parce que vu que c'est un endainer, c'est pas terrible quand il fait des manœuvres. Du coup, faut que j'essaye de bien faire tout du premier coup. Voilà. Même dans l'esprit, il aurait mieux fallu faire des allers-retours que tourner en rond, je pense, pour lui. Pour que ça soit propre, ce qu'il va faire au final, qu'il rechoppe pas les rangées d'à côté, les emmène d'à côté, tout ça. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. C'était pour essayer de bien faire. Est-ce que je passe à travers l'arbre? Oui, parfait. Ok, on continue. C'est vraiment commode ce mode. Hein. Commode ce mode, oh là là. Ah! La moisse batte est encore coincée, je suis obligé d'arrêter un peu tout ça. Lui, je l'ai garé sur la route, là, vas-y, je me gêne pas. Hop. Voilà, je vais me faire un petit rallongement ici, qu'il arrête de m'embêter avec ses cailloux, lui. Et il me lâche les baskets. Je reprends. Je vais vérifier que l'autre me suive. Enfin, non, il n'y a pas de raison qu'il ne me suive plus. Ouais, pas de problème. Alors, clac, je dézoome encore. De ce côté, il n'y a pas trop de risques. Et là, on va arriver dans le coin le plus casse-pied, je pense. Ça n'a pas trop fait rater malgré que j'ai touché. Ça n'en a même pas fait.
Là, je vais toucher un peu. Ça va, on s'en sort. Là, je vais braquer. Ok, bon, on s'en sort pas mal. Tac. Bon, là, c'était pour vraiment récupérer tout ce qui restait. Ok. Alors, apparemment, il doit être un peu plus fin que moi. Apparemment, hein, je pense. Hop. Voilà, nickel. Bon, là, maintenant, il n'y a plus beaucoup de délicatesse nécessaire. Je peux y aller un peu sans trop réfléchir. Ici, le petit demi-tour, je vais essayer de bien avancer. Voilà, ici, je peux tourner. Passer à gauche, j'hésitais entre repartir. Ah, oh, quoique. Hop. Je vais repartir dans l'autre sens. Voilà, ça va nous changer un peu le paysage parce que sinon on va se choper le tournis. Un truc de malade. Voilà, ça fait du bien, moi, je pense, de changer un peu. Ah, j'aurais pu optimiser un peu mes trajectoires quand même. Mais j'avais pas fait. J'ai laissé des trucs au centre? J'ai déconné, moi. Bon, c'est pas grave, je vais laisser. Hein. J'ai absolument pas capté, les amis, que j'avais laissé des trucs au centre. Un truc de malade. N'importe quoi. Alors là, ce que je vais faire. Pas le choix, va falloir qu'il me recharcute tout. Stop. Oh là là. Oh, aïe aïe. C'est d'avancer. Bon, alors ça, c'est pas très professionnel ce que j'ai fait, hein, les amis. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Bon, alors du coup, je suis reparti dans l'autre sens. Enfin, bon, tant pis. L'autre, il m'a tout coupé, il m'a tout. Il s'en sort bien, hein. J'aurais peut-être dû faire comme lui, mais en fait, j'espérais qu'il recule comme moi pour. Absolument ne rien laisser, mais bon, au final, je pense qu'il a encore mieux fait que moi. Oh là là, battu par une machine. Alors là, du coup, je vais adopter sa technique. Crouc. Hein. Crouc. De toute façon, il va repasser là-dessus. Et puis, si on a un petit détour à faire avec la presse, bah, c'est pas gênant non plus. Ok, ok, bon. La moisse batte, elle est pleine. Ok, alors je vais terminer le champ, hein, on n'est pas à ça près. Après, je vais aller endainer le champ de paille. Voilà. Hop. Dis donc, il a la bourre l'autre. Oulala, faudrait que j'accélère là.
Hop, pour éviter, là, comme ça, je peux me décaler sans choper l'autre. Voilà, sans choper l'autre Ender. Bon, j'ai laissé une tâche, c'est pas grave. Et au final, on s'en sort pas mal, les amis. Là, si j'arrivais à pas les choper sur les côtés, ça serait pas mal. Ok, pas mal, pas mal. Bon, là, pour le coup, c'est... Bon, remarque. Hop. Voilà, ça m'a fait un pâté, mais c'est pas grave. Ce que je voulais éviter. Ok, donc je replie ça. Celui-là, je peux le ranger, j'en ai pas besoin. Je suis vraiment dégoûté d'avoir oublié de couper le truc au milieu, là. Je suis vraiment un gros boulet. Alors, par contre... Ouais, parce que là, il allait continuer d'en dénier. Si on l'arrête pas, lui... Clac. Allez. Est-ce qu'il va se payer un truc? Non, il s'en sort bien. Franchement, il s'en sort bien. Ok, alors là, par contre, il va falloir que je le désactive, son follow me. C'était la fameuse qui était garée là. Je ne me trompe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le follow me avec la presse à balles qui va me suivre derrière. On a tellement de trucs à faire, les amis. Comme ça, à chaque fois, j'alterne. Là, par exemple, la fois d'après, je ferai la faneuse. Je ferai la faneuse. Ensuite, je referai l'endin, mais moi-même. Et avec la presse derrière. Comme je sais pas, enfin bon, j'alternerai et puis ça, pas de problème. Hop, clac. Je vais d'ores et déjà bien les régler ensemble. Plop. Plop, plop, plop. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les virages. Théoriquement, c'est bon. Je parle des virages plus tard, hein, quand on sera sur le terrain à proprement parler. Bon, je vais me mettre en vue intérieure, je me soucie pas de l'autre derrière, il se débrouille. Ils m'ont prouvé qu'ils savaient quand même bien s'en sortir, ces petits ouvriers. Je vais lever la fourche, voilà. Puis donc la presse à balle, on la fera un peu plus tard dans ce champ-là, dans le champ de fouet. Clac. Alors je vais faire un petit tour ici. Bon, comme ça au moins l'autre a le temps de me rattraper. En attendant... Voilà, on vide la mousse batte. C'est marrant de voir des tracteurs comme ça qui se déplacent. On a l'impression vraiment qu'on est avec d'autres gens en multijoueur sur la partie. C'est assez bizarre. Alors quand on y réfléchit, il y a de plus en plus de véhicules, notamment des mods. Qui font quasiment aucun bruit et c'est pas terrible parce que du coup ça fait beaucoup d'écart entre les véhicules et moi après pour régler mon son ben, en fait je m'embête pas et du coup je règle tout en fonction du plus fort pour qu'on m'entende et puis voilà du coup il y a plein de véhicules qu'on n'entend pas même moi là j'ai du mal à les entendre comme ça à travers mon casque. Alors, j'irai le vider plus tard, je vais juste le poser par là.
le poser, le garer. Hop, je reprends celui-là. J'active. Je vais baisser après. Voilà, la petite souche. On peut baisser. Je vais regarder s'il s'en sort bien. Et il s'en sort même très bien. Hein. Allez. On va les faire deux par deux, Lily. On va pas se presser. Il n'y a pas le feu. Par contre, ici, je vais essayer de faire... une petite boucle autour, ça évitera les manœuvres. Même si cette boucle, je repasserai sûrement dessus après avec le à nouveau avec l'endeneur. Mais bon. Bon, alors là, je sais pas lequel prendre. J'arrive n'empêche à en prendre trois d'un coup hein, en me centrant bien. Mais c'est ce que je vais faire du coup. C'est ce que je vais faire. Je pensais qu'il en prenait que deux. Alors le petit Dutz, du coup, il galère un peu. Hein. Bon, alors là, c'était juste vite fait pour attraper le... le petit machin là. Alors je vais essayer de me centrer comme ça en vue intérieure. Ça suit, ça suit, ça suit pas, ça suit pas. J'espère que ça a bien marché. Maintenant faut que ça aille jusqu'au bout. Dans mon petit rétro, je vois pas beaucoup de défauts. Ça a l'air d'aller. Alors ça c'est dommage que j'ai fait ce raté à la moisse basse là. Ah, et je me suis écarté. On va quand même récupérer ça, les amis. On peut pas laisser ça. Ouais, c'est possible. Tac. Ah bah oui, du coup, elle est déjà passée avec les bottes, là. Je me disais, il y a une partie qui a disparu, là. Oh ! Est-ce que ça l'a fait ? Bon, ça s'en sort, quand même. Ici, c'est assez rapproché quand même. Je pense que c'est à ce moment-là que j'avais dû vider la moisse batte. Bon, ben voilà, c'est quand même bien sympa ce follow me là. Pour ces activités où on ne peut pas mettre d'ouvrier, c'est bien, 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 bien utile. C'est un peu de la triche, mais bon. En même temps... je pense que c'est mieux que de vous proposer que de passer 3 heures à faire ça, quoi, tout simplement. Allez, tac. Ce que je vais faire, c'est que... bon, l'autre orange à droite, c'est pas grave, je la ferai comme ça. Cela dit, ce que je peux faire. Je sais pas si je vais avoir le temps d'arriver au bout comme ça. Non, de toute façon ça sert à rien parce qu'il va devoir faire le trajet. Donc je vais juste lui montrer par où il doit passer pour ici. Voilà. Bon, je lui fais. Là, je lui fais un peu des coups bas, là, je lui décale tout son truc. Ça fait pas mal de bottes de paille, hein. Faudrait qu'on fasse au moins 100 en foin, ça serait merveilleux. Ouais. Clac, je vais le refaire repasser. Sur... ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, il laisse un petit tas à chaque fois qu'il vide sa presse. C'est bien dommage.
Clac. On va prendre ces trois lignes. Puis après, il va falloir attendre un peu. On va être au chômage technique. Le temps que la moissonneuse avance. Parce qu'on va quand même bien plus vite qu'elle. On fait 3 rangées par 3 rangées, je roule plus vite qu'elle. Donc au final, ça va assez vite. Hein. Terminer ça. J'ai pas le choix, faut que j'attende un peu là. C'est moi qui ai fait ce raté là à droite. Bon, ben je vais repasser. Du coup, je vais tout reprendre ici là. Pouf, clac, clac, clac. On s'en fout de la botte de paille. Voilà, parce que du coup, il faut la faire passer là, la presse. Alors, bon, vu qu'elle est occupée, en gros, au final, c'est un peu comme si je lui programmais ses trucs à la botte, hein, à la botteleuse. C'est moi, je l'ai appelé la botte de paille tout à l'heure, la machine. Ah, je débloque complet. I disblock. Même si ça doit pas se dire en anglais. Ok, alors je laisse un peu ça. Ça, prochain épisode, je redécale. Surtout que je me suis décidé, je vais pas faire ce champ, je pense. Bon, lui, il s'amuse bien. Ici, il y a, là, là, ça, c'est Thomas, là. Dès qu'il utilise, il me met tout de travers. On va aller vider cette petite bébête. Qu'est-ce que je transporte? Du blé, du blé, du blé, du blé. Hop, c'est le premier silo. Ah d'accord, je déconne complet là. Je déconne complet. Je me suis fait mes petits screenshots, pépère. Le Kamaz, on va le ramener parce que... Ah, quoique... Si la moisse batte termine son champ comme ça, ce que je fais, je la fais passer par ici. Je la vide dans le camion, je vide le camion dans le silo. Et tout ira bien. Oh non, elle est sérieuse. Oh là là. Genre pour ça, elle va me faire venir. Quoi. Beau. Je rêve. Ah là là. C'est moissonneuse alors. Alors là, je pense que je vais être obligé soit d'investir dans beaucoup beaucoup de temps et de patience et un plateau plus grand pour charger tout avec la fourche, soit investir dans un auto-stack. Je vais jeter un petit coup d'œil au prix. D'ailleurs, est-ce que j'en aurais pas? Non, à chaque fois je fais un clic de trop. Outillage pour balle. Normalement, j'ai pas grand chose. Même. Ouais, voilà, juste un petit truc comme ça, un chariot bizarre. Qui coûte trop cher pour ce que c'est. Du coup, soit 12 000. Ah, bah le rond, il est pas cher, 24 000. Bah ouais, on va investir là-dedans, hein, les amis. Ouais. Après,
Ah, je regrette d'avoir acheté ça là, ça va être trop simple. Bon, c'est pas grave. Faut bien qu'on se ménage un peu quand même. J'ai toujours pas désactivé mon retour de force, je suis encore avec un volant hyper dur. Oui, bon. Ah, quand même. Je vais l'attendre à son arrivée là-bas. Et alors là, encore une fois, ça va faire 4 rangées alors que. Ah là là. Je vais me décaler quand même. Je vais me mettre de l'autre côté. Je vais faire 2 plus 2. Comme ça, je risque pas de croiser la mouise batte. Cela dit, j'aurais pas risqué grand-chose non plus. Mais enfin bon, hop, hop, hop. Je vais pas manger l'autre ligne là. Faire ça en vue intérieure. C'est vrai que là, pour des travaux comme ça, on s'en sort mieux en vue intérieure. Bon, j'aime bien quand même dézoomer et arriver en bout de ligne. Mais bon, faudrait pas que je passe à travers les arbres comme ça, là. Faudrait que je la joue un peu sérieux quand même. Enfin, un peu sérieux, un peu réel. Un peu simulation. Quand même, sur ce jeu. C'est pas un farming simulator pour rien non plus. On bouge la mouise batte. Ok, bon, on s'en sort pas mal. Moi, je ramène ça. Oh là là, le petit drift. Alors je sais pas s'il va imiter le drift, l'autre derrière là. Et toujours est-il qu'il était relativement pas mal. Clac, moi je vais me mettre là. Voilà, parce que j'ai ce champ. Non, je suis bête. C'est pas avec celui-là, c'est avec la presse à balle que je dois le faire. Donc je vais me mettre dans l'autre sens. Je vais me mettre là. Clac, comme ça j'aurai juste à passer à côté de ce véhicule pour monter là-haut. Elle, on peut tout replier. Pourquoi il se replie pas? Ah ben voilà. Faut être un peu patient avec ces bêtes-là. Même si la patience n'est pas ma plus grande vertu. Hein. Je tiens à le préciser. Alors, je réfléchis, stationne. Non, on va pas utiliser la moissonneuse dans le prochain épisode. On en a déjà fait pas mal aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, on moissonnera nous-mêmes, mais ça sera dans quelques épisodes. Déjà, dans le prochain épisode, on va ensiler nous-mêmes. Normalement. Encore une fois. Faut que j'aille voir un peu toutes mes bêtes. Là, j'ai vu qu'il y a pas mal d'œufs. Il y a des œufs qui ont poussé sur le poulier. Sur le filet, non. Complètement taré, moi. Je vous invente des mots. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, du coup, puisque les trajectoires se coupaient. Clac. Ah bah non, je suis bête. Et du coup. Clac. Du coup, en voulant désactiver le follow me sur l'autre, je l'ai activé sur celui-là.
Allez, go. Ouais, c'est bon, il me suit pas. Ça aurait été bête. Cela dit, j'aurais pu faire un échange de camions, mais bon. C'est pas gênant. Ça fait du bien de changer un peu de camion. Clac. Allez, on recule. Faudra faire aussi des balles engrubanées. Ça, on fera ça un peu plus tard. Bon, c'est vrai que le matériel pour ça ne coûte pas très cher. C'est 34 000 euros. J'ai cru voir tout à l'heure. Un truc comme ça, 38 000. Peut-être. Donc bon, c'est pas gênant d'investir là-dedans. Faudra réfléchir où est-ce qu'on range tout ça. C'est toujours pareil. J'ai toujours des problèmes, moi, pour me décider où est-ce que je range ci, où est-ce que je range ça. Je sais pas du tout pourquoi je suis revenu avec ce véhicule. Bon, je vais le laisser un peu ici. Je vais presser un peu les balles. Comme ça, on aura fait un peu de tout hein, aujourd'hui. On aura fané, endéné et... Ben ouais, c'est ça, on aura bien fait tout. C'est bien ce qui me semblait. Oula, petit lac. Non, je vais mettre en vue extérieure. Je le sens mieux. Hop, au régulateur. Voilà, en mode pépère. Allez, je vais quand même laisser les affichages. C'est vrai que avec cette machine, il faut tout le temps s'arrêter, tout ça. Je préfère laisser les affichages. Bon, heureusement qu'on a utilisé l'endéneur, ça aurait pas été possible hein, sinon. De toute façon, ça sert vraiment pas à grand chose de se lancer dans la. Dans le foin sans endéneur. C'est tellement galère. Alors pour des mini parcelles, mais bon. Sinon niveau rendement, c'est pas possible. Et j'ai pas le plus gros endéneur du jeu et encore moins c'est si on prend en compte les modes. Il y a des modes tout à fait énormes que je ne prendrai d'ailleurs jamais parce que bon c'est quand même un peu trop abusé quoi. Et c'est quelqu'un qui utilise le Follow Me qui dit ça les amis hein, alors bon. Non mais c'est vrai, il y a des trucs là, les trucs de je sais plus combien des trucs de 120 mètres, des trucs énormes. Quand on va sur les sites de mode, toujours dans la liste des news, là, il y a toujours un truc comme ça. Bon, je passe de suite. Je cherche pas à savoir s'il est beau, bien, tout ça. Ça m'intéresse pas. J'ai fait des petits ratés quand même. Hein. Dis donc, c'est pas bien mon petit Zinix. Oh là 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 là. Bon voilà, on va pas trop tarder je pense. Hop, j'essaie de faire un peu en vue intérieure peut-être maintenant pour terminer. En fait j'ai pas du tout idée de ça fait combien de temps que je suis en jeu. Bon, on va s'arrêter là hein. Je pense qu'on a déjà fait 25 minutes à la louche, hein. J'ai vraiment aucune idée. Donc voilà, bon les amis, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau mode aujourd'hui? Donc je vous ai montré. Je vous ai rien montré. Je vous ai rien montré. Bon, toujours est-il que les liens des modes sont dans la description. Anciens, nouveaux, tout ce que vous voulez, ils sont dans la description. Des fois j'en mets même, des fois je me gourre même, je mets le lien du mode de l'épisode d'après si je l'ai déjà tourné, que je sais déjà qu'est-ce que j'ai dedans. Des fois je me trompe, enfin bon, en même temps c'est des fois c'est pas pour pas l'oublier la fois d'après, alors bon. Donc voilà, bon, sur ce je vous souhaite à tous un excellent jeu les amis.
Je vous rappelle quand même, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook. J'aime bien y mettre des petits screenshots, des petites news, des petits trucs, voilà. Je crois que même une fois, alors je sais plus si c'était sur ce Facebook ou sur mon ancien Facebook, je vous avais mis une clé d'un jeu que j'avais en trop. Enfin bref. Donc voilà les amis, bon, j'espère que ça vous aura plu, je me répète, hein, c'est pas grave. Bon bref, je vous souhaite à tous un excellent jeu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis.